Yo, Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un colis, d'une commande que j'ai faite sur le site Amnistore. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc j'ai fait une toute petite commande sur le site de Amnistore parce que j'avais besoin de m'acheter la saison 1 d'un animé. Et j'ai rajouté juste un petit DVD, un film humain, je sais même plus de quelle origine, si japonais ou autre chose. Mais voilà, j'ai juste vraiment acheté le minimum. J'ai acheté donc sur Amnistore tout simplement parce que c'était plus rapide, etc. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Tu vois, il est vraiment tout petit, c'est le format normal. Donc voilà, je tenais juste à remercier la vendeuse Célia de Manga Cat à Bordeaux. Parce que tout simplement, j'ai pu lui poser des questions par rapport à l'animé VS le manga. Et donc elle a pu répondre comme il faut à mes questions, etc. Et c'est grâce à elle du coup que j'ai pu savoir si je devais ou pas acheter cet animé en DVD. Voilà. Donc Célia, si tu passes par là, merci beaucoup. Tu m'as sauvé les... Je veux pas te dire sauver la vie, mais tu m'as quand même sauvé les pouces. Voilà. Même si clairement, ça va être galère pour que j'arrive à le regarder dans les temps de ce que je veux. Donc j'ai juste la facture sans les prix à l'intérieur. Voilà. Et donc c'est présenté comme ceci, comme d'habitude. Donc on va juste enlever ça. Voilà. Donc je vais d'abord commencer par le film, comme ça ça te laisse un peu plus pour le watch time, du coup au niveau des vues. Donc on est avec le film Shinobi, leur destin, s'aimer, leur mission, s'entretuer. C'est marqué Eau de Ville, Asian Film Festival, compétition en 2007. Voilà. Totoro Shinobi, je dirais que c'est un film japonais. Je pense, hein, parce que je pense pas que Amnistore s'amuse à faire des films coréens ou des trucs comme ça. Voilà. Japonais, c'est ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je crois qu'il m'a coûté que 5 euros le film, donc c'était avantageux, franchement. Et voilà, c'est tout. Alors je vais juste te dire le résumé. En 1614, le Japon est dirigé par les shoguns qui ont su unifier le pays en imposant la paix. Pour en finir définitivement avec les années de chaos, le shogun décide de mettre un terme à la rivalité existante entre les clans Iga et les clans Koga. On connaît tous. Deux familles ninja rompues par l'ancien shinobi, profitant de la haine ancestrale existante entre les deux clans, le premier shogun oblige les chefs des deux tribus à désigner respectivement leurs 5 meilleurs guerriers pour un combat à mort en termes duquel sera désigné l'héritier du royaume. Ainsi se voit sceller le sort de Oboro et de Gennosuke, les héritiers des deux familles qui devront choisir entre leur amour et la mort pour l'honneur du clan. Donc ça m'a l'air super sympa et j'ai vraiment très très hâte de voir ce film. Et donc j'essaierai de... De toute façon, j'en ferai une vidéo forcément. Voilà, donc je te le présenterai assez prochainement, j'espère avant la fin de l'année. Voilà. Je pense que le DVD, par contre, a dû se... Voilà, c'est ça, sortir du socle. Donc, je vais juste le remettre. Voilà, ça évitera que ça bouge dedans. Et donc, on continue et termine cette vidéo. Et elle aura été vraiment expéditive, mais en même temps, j'avais pas grand-chose à te présenter. On va parler tout simplement du coffret collector édition limitée de IQ, combo Blu-ray et DVD. Ça, franchement, je trouve ça moyen parce qu'il n'y avait pas le choix. T'avais soit ça, soit Blu-ray, mais pas DVD tout court. Et moi, j'ai que DVD tout court. Donc c'est un peu chiant parce que du coup j'ai acheté le coffret alors que ça ne me sert pas à grand chose, très clairement. Voilà. C'est l'intégrale de la saison 1 de IQ. Et il n'y a que ça pour l'instant de disponible en DVD. En tout cas sur le site de IDP vu que c'est eux qui ont... Enfin non, c'est je ne sais plus si c'est IDP qui a édité en DVD ou si c'est Kazé. Mais toujours est-il, voilà. C'est un manga des éditions Kazé qui est terminé, ça y est, en France. Bref, toujours est-il, tout simplement, la version collector est en 3 DVD et la version
en CD plutôt, on va dire, et la version DVD dans 5. Contenu exclusif, un artbook de 150 pages regroupant de nombreuses informations sur la série et 5 cartes postales. C'est pour ça que tu vois, il y a un petit truc là et il y a ça. Voilà, donc je ferai une vidéo ouverture du coffret sûrement prochainement. Je ne sais pas si je fusionne l'ouverture du coffret plus mon avis sur l'animé ou si je fais deux vidéos à part, parce que je pense que rien qu'une vidéo sur l'ouverture du coffret peut être intéressante et peut être intéressante aussi de la voir à part de l'avis sur l'animé, pardon. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. Cette vidéo est donc déjà terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire quel est toi ton animé de sport préféré et peut-être éventuellement celui que tu as le moins aimé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ma précédente vidéo IDP, enfin, et là une playlist éventuelle. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, comme d'hab dans la barre d'infos, les liens vers mes autres réseaux sociaux, des codes promo pour pas mal de sites, des réponses à tes questions, comme par exemple le matériel que j'utilise, ainsi que les liens vers les deux produits via le site IDP. Sur ce, Anime Store, je suis désolée, je crois que j'ai dit IDP depuis le début. Bref. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!